Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, et toi? Très bien, merci. Beaucoup mieux, en fait. Et si jamais vous avez pas vu notre dernier vlog ou que vous avez vu notre dernier vlog, mais que vous êtes peut-être pas rendu jusqu'à la fin, on avait perdu Fudge. Donc, longue histoire courte, on va vous en parler plus dans une vidéo dédiée. Mais bref, Fudge a fait une fugue de 2 jours, petit maudit. Fait que c'est ça. Bref, mais Fudge est de retour, il va bien, tout va bien, la vie est belle. C'est ça, voilà. Je vais pas en parler plus que ça parce que ça me tente pas de... C'est ça. J'ai le goût d'avoir un vlog positif et le fun aujourd'hui, mais bref, Fudge est de retour. Rempli de plaisir. T'as l'air heureux. Mais en fait, aujourd'hui, on fait quelque chose de le fun pour Jake parce que il y a quelques jours... On célèbre mon anniversaire. Oui, le 2 août, c'était sa fête. Tu m'écrases. Ah, fait que tu dis que je suis gros le jour de ma fête. J'ai bougé de l'autre côté. Et voilà. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on était vraiment soulagés parce que Monsieur le Fudge est revenu le 1er août. Puis la fête de Jake, qu'est-ce que tu fais dans la coquin derrière? Ok, je vais retourner de l'autre côté. Et voilà. Bon, alors, Monsieur Fudge est revenu le 1er août, donc juste à temps pour la fête de Jay le 2. Mais, parce que Fudge s'est fait la malle pendant 2 jours, petit Chris de minou que j'aime de tout mon cœur. Je vais mettre un bip, là, quand même. Là. Non, je mets pas de bip. Je mets pas de bip, ok. Laisse le Chris. Ok, parfait. J'étais vraiment contente qu'il soit de retour, mais j'étais vraiment fâchée en même temps parce qu'on s'est tellement inquiétés. Mais bref, pendant 2 jours, on n'a rien fait, comme littéralement... On attendait que Fudge revienne. Non, mais attends, on l'a cherché partout. On ouais, non, non, non. Mais je veux dire, en termes de travail, tu sais, on a comme rien fait pendant 2 jours, fait qu'on a pris du retard. Donc, la journée de sa fête, en fait, on a fait des photos toute la journée. Le lendemain, on a filmé une vidéo pour ma chaîne, pour le Back to School. Après ça, hier... Même le jour de la fête de Jay, tout est autour de Catherine. Non, tu me niaises. Le jour de ta fête, c'est une photo pour ton compte Instagram qu'on a faite. Aussi. Ouais. On a rien fait pour moi, on a tout fait pour ta... Pour t'as dit qu'on filmait ta vidéo, Catherine. On l'a filmé le lendemain. Oh, tu m'énerves. En tout cas, donc bref, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est ça. Texas. Je m'en allais. Non, je veux vraiment pas aller au Texas en ce moment. J'ai pas envie d'aller nulle part en ce moment. On va rester ici bien sagement. Bon, ça va chez ma mère, ouais. C'est bien méchant, ça. Franchement, ma mère, elle t'invite, puis elle t'aime. Elle veut nous préparer à manger pour mon anniversaire. Je disais, alors que c'est ça, on a vraiment pris beaucoup de retard, fait que dans les derniers jours, on a comme clenché tout ce qu'on avait à faire, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus relax, fait qu'on va partir d'à peu près 1 heure, je dirais, chez sa mère pour pas être coincé dans le trafic, fait que j'ai comme quelques petites choses que je veux faire avant, j'ai des choses à vous montrer aussi, fait que écoutez, ça a été une très longue intro de vlog, mais c'est ça, c'est parti, on commence. Je vais le dire à voix basse aussi, mais la soeur à Jay, elle a acheté un cadeau vraiment cool, fait que c'est pour ça que je voulais vlogger aujourd'hui, pour pouvoir vous montrer son cadeau. Hey Google, what's the temperature? In Laval, it's currently 23 degrees. A tropical cyclone information statement has been issued. Ça va? Faut mourir, moi là! Bunker! Sinon, sur une note plus positive, regardez, on a un tout nouveau Larry qui est vraiment gros. Dans le fond, on était content en magasin parce qu'on était comme waouh, il est immense! Mais là, finalement, comme il va jusqu'à la table ici, fait que je sais pas jusqu'à quel point c'est. Une bonne idée, mais en tout cas, bref. Le dernier, il a duré 11 mois. Fait que pour celui-là, j'ai vraiment, vraiment de bonnes intentions. J'aimerais vraiment ça qu'il dure au moins 12 mois. Ce serait quand même pas pire. Pis là, vous êtes beaucoup à nous demander pourquoi est-ce qu'on prend pas une plante artificielle. Mais en fait, c'est que la dernière fois, j'en ai trouvé une vraiment belle plante artificielle. Mais, tu sais, parce qu'on en veut une grosse quand même, là. Pis elle était genre 500... J'essaie d'être concentrée, mais j'y arrive pas. Bref... Parce qu'il y avait un mamelon! Genre. Le Larry artificiel, il était comme 500$. Parce que j'ai pas cherché vraiment, tu sais, plus loin. Mais je sais que c'est quand même cher. Pis tu sais, là, vous vous dites comme oui, mais t'en dessus tellement que ça s'équivaut. Mais tu sais, comme celle-là était 50$. Fait que tu sais... Je veux dire, ça va. Si elle me dure 1 an, c'est quand même pas si mal. Fait que, tu sais, si j'achète une plante à 500$, ben on s'entend que comme ça va être quand même long avant que j'aille un retour d'investissement, si je peux dire ça comme ça. Fait que, bref. M'en sac que ce soit ta fête, je vais te battre. On a acheté ce nouveau jouet. Pour une photo vraiment cool. Belle coiffure, Catherine. Bonne fête à Jay! Bonne fête à Jay!
Mais bref, j'ai vraiment des bonnes intentions pour la plante. Je suis certaine que cette fois-ci, c'est la bonne. Comme je sais pas si c'est du wishful thinking ou si c'est juste comme moi qui essaie de me convaincre. Mais j'aimerais vraiment ça. Qui est dur. Puis sinon, sur une autre note, juste avant qu'on parte en fait, parce qu'on est vraiment dû pour partir, cette semaine j'ai filmé une vidéo back to school, donc vous savez toujours la première vidéo back to school, c'est laquelle sur ma chaîne, donc j'ai pas besoin de préciser que c'est un giveaway, mais c'est vraiment cool parce que je vous en avais parlé il y a quelques vlogs de ça, mais c'est un giveaway avec la marque Hamster, donc c'est eux qui m'ont fourni tous les prix, puis je sais pas exactement quand ce vlog-là va être en ligne, quand la vidéo va être en ligne, je sais comme pas trop, mais je voulais aller vous montrer comme vite un petit peu les prix, de quoi ça avait l'air, comme faire un petit sneak peek parce que c'est pas l'excitant. Là, dans le fond, la vidéo est montée, là, il me reste quelques petits ajustements à faire, mais je suis trop excitée, puis je vais aller vous le montrer. Bon, fait que je vais pas tout vous montrer, là, on va se garder quand même un petit peu de surprise pour la vidéo, mais déjà, il y a trois prix, c'est comme ça ici, c'est un prix, ça ici, c'est un autre prix, puis le reste, ça va être le plus grand prix, mais là, il y a comme plein d'autres affaires par là aussi, mais il y a comme des cartables, il y a des crayons, il y a des carnets, il y a le plus bel agenda que j'ai vu de toute ma vie, fait qu'en tout cas, bien hâte de pouvoir vous mettre la vidéo en ligne, là. Comme que je dis, je sais pas trop ça va être quand encore. Mais ça va vraiment être une belle vidéo, puis il va y avoir un concours sur mon Instagram aussi. T'es-tu prêt à partir? C'est-tu ça que t'es en train de me dire? Oui. Ok, ben je vais ramasser mes affaires, puis je vais me changer, puis on y va. On verra peut-être pas ma maman, mais on pourra sûrement voir toute la bouffe délicieuse qu'il y a, et malheureusement ma soeur. Mais non. On l'aime ta soeur, arrête. Elle va filmer une vidéo avec nous bientôt en plus. Mais peut-être, je sais pas, peut-être que ta mère va accepter vu que c'est ta fête. Peut-être. Mais de toute façon, ma mère a accepté de possiblement faire une vidéo sur ma chaîne. Parce que ma mère est... Elle est pas à l'aise. Chier en technologie. Ouais, non, mais je m'en ai dit, elle est comme pas à l'aise devant les caméras. Ça non, elle est à chier en technologie. Ah, mais on parlait pas de la même affaire. Ouais, oh, mais quand même. Donc, on va essayer de parler de technologie avec ma mère. Ça va être drôle. Bon, ok, je m'en vais ramasser mes affaires, puis on y va. Et après, vous dites, c'est moi qui ai fucké. Da bof. Et ça c'est Catherine, et ça c'est Xavier, et ça c'est Stacy. Ça c'est ma mère. Allô! Hey maman! Il y a des centaines de milliers de personnes qui peuvent te voir là. T'es sous là? On va y mettre un emoji sur la face. Maman, c'est-tu correct si on te voit dans ma vidéo ou non? Non, c'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? C'est pas maximum. Puis t'as-tu une idée de c'est quoi ton cadeau? Fuck out. Tu sais pas c'est quoi? T'as aucune idée. Si t'avais à faire un guess, mettons. Zéro. Ok. Tu penses que tu vas être content? Je sais pas, je peux même pas savoir c'est quoi. Peut-être que je vais être triste, je vais regarder votre cadeau, je vais faire comme arc, vous êtes qui? T'es-tu excité? Sûrement, oui. Je suis pas stressée dans la vie. Non, t'es vraiment plate. Fait que là, ta soeur est en train de monter ton cadeau. Fait que là, moi, je vais te faire rentrer dans la maison, mais les yeux fermés. Comme ça, on va t'asseoir, puis là, ben, tu vas avoir ton cadeau. Non, je vais rentrer dans la maison, les yeux fermés, vous allez me frapper avec des bâtons de bois. Ah oui? Ben généralement, c'est comme ça que ça se passe, non? Non. Ah, ok. Pas ici, en tout cas. Je pensais que tu travaillais avec M. Pinchot. Je dois de l'argent, Nesti. C'est qui, M. Pinchot? Le gars de la mafia que j'ai emprunté de l'argent il y a jadis si longtemps. Ah ouais? C'est une chose. Ça sonne pas très mafia, Pinchot. On est au Québec. Donne une chance. C'est vrai. Attention, ici, c'est la chaise. Fait. Ouais, vas-y. Assieds-toi. C'est bon. Tourne. Non, c'est correct. T'es pas sur le bon dossier. Ok. Pourquoi c'est noir devant moi? On dirait quelque chose qui bloque la lumière. Fait que là, Joseph, ouais, parce qu'on a mis une couverte. Donc, tu filmes? Ouais. Alors, c'est 1, 2, 3, go! Tu peux ouvrir les yeux. Ah, ben voyons donc! Vous avez trouvé ça où? J'ai fait. La chute! J'ai fait 8 magasins, j'ai dévalisé les dépanneurs. Je rentrais dans les dépanneurs, je suis comme, je vais prendre tous tes Red Bull melons. Puis je dévalisais tout pour que t'aies été Red Bull. Mais ça me fait un mois de Red Bull au melon. Ben là, plus que ça, j'espère. Ouais, ça, je fasse des rations. T'as d'autres choses, regarde là. Attends, je suis occupé par la beauté des Red Bull. Même Red Bull à qui j'ai écrit sur Instagram m'ont répondu comme... J'en ai pas assez. Enfin là, faut que je regarde les restes des affaires. C'est oui, pas juste il y a ça. Ouais. C'est quoi ça? Ça a l'air d'un truc du Rubs. Fait que t'as un 50$ chez Rubs. Hey, les caca de fou que je vais faire avec ça. Puis là, t'as une autre chose ici. T'es vraiment content! Oui. T'es vraiment content, tabarnak, pas vrai, là? Surtout sur le melon d'eau. Oh, ouais. Ma mère, elle a pas dû approuver le cadeau, hein? Non, elle était pas au courant. Chaque fils, il y a tant à célébrer. Une autre année de projet de réalisation, une autre année de découverte d'émotion, une autre année. Bonne fête, mon bébé, je te souhaite plein de beaux projets et d'épanouissement dans ton quotidien. N'oublie pas de te. Je t'aime, maman. Non! Maman! C'est pour ta nouvelle voiture.
voiture l'autre. That's it, 25 litres de gaz. Fait que ça veut dire que je peux pas gazer mon auto avec ça en ce moment. Oui, tu pourrais aussi. Ben là, ça fait que tu viens de mentir. La seule instruction que tu avais pour le gazer. Joe, c'est quoi le premier mot qui t'est venu en tête? Yes! Est-ce que tu t'attendais à ça? Ça, non, non. Ben, j'avais pas à quoi m'attendre. J'étais juste les deux comme. Ça fait juste une semaine qu'on struggle avec ça. Parce que, tu sais que nous, on n'en trouvait pas du Red Bull au Molondo. Pis là, Joe m'écrit un matin, pis elle comme, c'est quoi le Red Bull que tu voulais? C'était-tu au Molondo? Pis là, elle m'envoie des photos de comme plein de caisses. Fait que là, je suis comme, oh mon dieu, prends-les toutes. 32. Red Bull ou Molondo. Ouais, ça va remplir le frigo. Fait que c'est en bois. Un maximum par semaine. C'est-à-dire, je sais pas, moi, t'as fait la demi-année au moins avec ça. Mais je fais la promesse que si j'en trouve d'autres, je les achète. Bon, de retour à la maison, hein, monsieur le grand vagabond qu'on n'a pas vu dans ce vlog-là encore. Oh, ça va? Bon, excusez, Fudge, fallait. Ouais. Fudge, fallait qu'il passe une petite boule de poil. Bon, parlant de boule de poil, on le voit pas. Parce... Oh, on voit ses oreilles-là dans la réflexion. Ok, monte sur le sofa. Va avec papa. Allez! Une caméra, il est gêné. Ouais, je sais. Il voit la caméra, il est pas bien. Ouah! Oh, t'es gros! Oh, t'es gros! T'es le plus beau! Bon, on voit rien parce que sincèrement, il est vraiment trop noir. Et c'est comme ça que je les aime. Moi aussi. T'es parfait. Bon, ben, on est de retour à la maison. Puis, il est 11h et quelques. Donc, là, on va se statuer sur le sofa avec mes yeux le fudge. Puis, on va écouter un épisode de notre série. En ce moment, on écoute The Iron Fist. C'est juste Iron Fist, pas de. Ah, c'est pas The Iron Fist? Juste Iron Fist. C'est pas The Daredevil, c'est pas The Iron Man. Ouais, mais c'est The Punisher. Je pense. Ouais, c'est The Punisher. Faut que je veux pas se laisser aimer par ta poney. Sois gentil, Fudge. Ouais. Mais il est full gentil en plus. Il est tout le temps gentil. Bref, bon. Avec mon fils dans mes bras. Soyez beau. Soyez coquin. Soyez doux. Ah! Oh. Il voulait peu être doux. Petit coquin, il veut se battre. Ouais, moi, une fois, je fonce bas. Papounia, faisait le mot de la fin. Finis-le, là. La laine pue. Hey. Soyez beau. Soyez coquin. Et je vous aime.